Thomas, donc défaite à chez Orange, mais qu'est-ce que tu as pensé du match? Orange au-dessus. On les a battus à l'aller. On avait fait un super match. C'est le match retour, ils nous attendaient. Je pense qu'ils avaient une revanche à prendre. Donc voilà, sur les deux confrontations, on méritait de gagner à l'aller. Là, voilà, ils méritaient de gagner. C'est une très belle équipe. Voilà. Et j'espère que s'ils se qualifient pour les quarts de finale, ils iront le plus loin possible. D'accord. Ok, merci pour l'encouragement. Et puis alors après, évidemment, cette année, tu le sais, c'est centenaire du foot entreprise. Qu'est-ce que tu penses donc de cette longévité de cette famille du foot français? Mais c'est une belle... comment dire? C'est un bon championnat. Le foot entreprise mérite d'être connu. Moi, j'ai arrêté il y a quelques années. Ça fait 2 ans que je suis arrivé au foot entreprise. Et l'ambiance est vraiment très bonne. Les équipes, bon, sur le terrain, de temps en temps, on peut jouer un peu trop la compète. Mais après, voilà, on partage un bon moment. C'est très convivial. C'est ce que certains joueurs... même plus jeunes, parce que l'équipe d'Orange sont déjà un peu plus jeunes, viennent chercher. C'est ce côté compétition à bon niveau, mais sans prise de tête. Ok, ah, merci. Quoi qu'il se passe, à la dernière journée du 8 avril, vous avez fait une belle saison, et puis peut-être qu'Orange, en vous, ça sera peut-être la finale, on ne sait jamais. Peut-être qu'on se retrouvera en finale, pourquoi pas. Ok, bon, bonne fin de saison et merci à toi. Merci.